Yo les gens, c'est Mister John Cena. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo spéciale parce que j'ai fait des achats à Val d'Europe. Donc je vais vous les présenter. Voilà. Donc j'ai acheté pas mal de choses. Donc bien sûr je les ai déjà déballés. Hein, voilà, parce que je voulais faire une vidéo déballage, mais le temps c'est pas grave. Donc parce que l'appareil photo avait bugué, donc j'avais tout déballé à l'avance et malheureusement la caméra va. Elle a bugué ou elle avait plus de batterie, je sais pas, mais il fallait que je recommence tout. Et c'était trop tard, j'avais déballé tous les articles. Voilà. Donc là, je vais vous les présenter. Déballé. Voilà. Donc, en fait, j'ai acheté 5 coffrets de DVD. On va commencer par le film le plus connu, je pense. Hein. Il s'agit de l'anthologie de Chucky. Donc l'anthologie de Chucky, voilà, tout le monde doit connaître, hein, voilà. Voilà. Les DVD. Si je les mets. Ah non, pas comme ça, comme ça. Ça va être mieux pour vous. Voilà. Voilà. Donc bien évidemment, les DVD étaient emballés dans les plastiques. Voilà. Donc vous avez Chucky 2. Voilà. Acheté pour 10 euros, hein. Chucky 3. Voilà. Malédiction de Chucky. Voilà. Et le retour de Chucky. Donc celui-là, je l'ai déjà vu. Enfin, je l'ai déjà vu. Non. En fait, j'ai vu des extraits sur YouTube du retour de Chucky. Et surtout une scène qui m'avait choqué. Enfin, choqué. On peut dire ça comme ça. Mais si vous voulez, c'est quand il y a une fille qui est attachée sur un lit d'hôpital, elle est carrément ligotée, et en fait Chucky fait rebondir un truc qui rebondit dans le plafond de verre, et les bouts de verre ils tombent sur la fille, ça lui coupe la tête, on voit la tête qui roule par terre. Ou sinon la deuxième scène c'est quand le monsieur il dit à la fille j'entends Chucky dans ma tête et tout, et après on voit Chucky il transperce la tête et en fait la perceuse elle ressort par l'œil. Ah c'est dégueulasse. C'est horrible, c'est horrible. Ah non. Ah non, dès que j'ai vu ça, j'ai stoppé tout de suite le... Parce qu'en fait, si vous voulez, c'était toutes les morts dans Chucky. En fait, j'ai marqué toutes les morts dans Chucky. Et justement, la mort dans le retour de Chucky, c'est dégueulasse. Bon. Mais voilà. Voilà. Mais sinon, les autres, je les ai pas vus. Le 2, 3 et Malédiction de Chucky, je les ai pas vus. Et le retour non plus de Chucky, mais j'ai vu juste les scènes de gore. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un coffret d'horreur, donc il y a Ma, Black Christmas, Breaking In et Action Vérité. Voilà, donc c'est un coffret horreur. Voilà. Voilà. Donc, bien évidemment, ils étaient aussi emballés, tout comme les Chucky. Dans les plastiques, donc on va aller dans l'ordre. Donc c'est ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième et ça en quatrième. Voilà, c'est bon. Donc vous avez Ma. Voilà. Donc il y a des bonus. Hein. Il y a les scènes coupées, fin alternative, création de Sue-Ann, soirée chez Ma et film annonce. Black Christmas. Voilà. Donc, il y a fin alternative, scène coupée, version longue. Il ne fallait pas chercher ces sœurs-là. Making of, bienvenue à Mo Kappa Epsilon. Ok, d'accord, je vais y arriver. Breaking In, la vengeance d'une mère. Voilà. Et Action Vérité. Voilà, version Director's Cut. Donc, ils sont tous dedans. Hein. Je vais pas vous les montrer. Hein, voilà. Dedans, c'est tout neuf. Ils sont tous sérigraphiés, voilà, ceux qui veulent savoir. Pareil pour les Chucky, ils sont tous sérigraphiés sauf un. Je sais pas c'est lequel. Je crois que c'est la malédiction de Chucky qui n'est pas sérigraphié. Oui, c'est celui-là, regardez. Il n'est pas sérigraphié celui-là. Ça fait un peu l'effet de voilà, malédiction de Chucky, donc c'est de toute façon pas sérigraphié du tout. Donc ce n'est pas grave. Du moment qu'il y a le film dedans, c'est parfait. Attendez, je mets tout ça dans le boîte. Voilà.
J'ai ensuite acheté des mini-séries télé. Des séries télé, donc il y a les mini-pouces. Voilà, les mini-pouces. Bon, je sais même pas ce qu'est le générique de la série, donc voilà. Donc c'est dans cette version-là aussi que j'avais acheté Bioman et X-Or. Donc bien évidemment, il y a les DVD. Faut que je gaze. Ah, c'est ouvert. Attendez. Faut que je tienne ça avec les doigts parce que ça, ce coffret-là, parce qu'il glisse, enfin il s'ouvre en fait. Vous voyez, regardez, il s'ouvre tout seul. Donc voilà. Donc il y a des DVD en dessous aussi. Hein. Je sais plus combien dedans, je crois. Attendez, je vais dire ça tout de suite. Il y en a 6 des DVD. 6 DVD. Attendez, vous voyez pas bien. Voilà. Excusez-moi parce que vous voyez que le haut de ma tête est coupé dans la vidéo. Donc voilà. Donc la série culte des années 80. Hein, voilà. Donc ça, je peux pas vous le mettre sur YouTube parce que c'est pour les enfants. Et si je mets ça, la loi copain, en fait, si vous voulez, faut mettre sur les paramètres de la vidéo qu'on met en ligne si c'est pour les enfants, si cette vidéo est conçue pour les enfants ou pas. Et bah moi, si je mets ça et que je marque pas conçu pour les enfants, bah YouTube va le reconnaître et ils vont me striker ma chaîne ou alors ils vont me la supprimer définitivement. Donc je ne pourrais pas vous les mettre sur YouTube. Ensuite, j'ai acheté le livre de la jungle, l'intégralité de la série télé, voilà, pareil. Voilà, donc il y a 9 disques dedans, 9 DVD, voilà. Pardon, j'ai un peu la gorge sèche. Voilà, donc là c'est pareil. Ça se présente comme ceci, en digipack. Et là, bizarrement, alors pour les mini-pouces, il n'y a pas de livret, mais pour le livre de la jungle, il y en a un. Avec les personnages, les épisodes et tout ça. Donc voilà, tout comme Bioman et X-Or, voilà. Donc les livrets, je vais les garder. Voilà. Et puis voilà. Ah, purée, c'est magnifique. Voilà. Pareil, pas peut pas vous mettre sur YouTube. Et pour terminer, les entrechats. Voilà. Donc ça, je me suis fait un petit peu arnaquer puisque c'est la première partie, en fait. Ce n'est pas la série intégrale, c'est que la première partie. Faut que je trouve la deuxième partie, justement. Donc il n'y a que 26 épisodes parce que la première partie contient 26 épisodes. Voilà. Donc il y a 5 DVD. Et voilà. Donc c'est pareil, c'est en belle boîte jaune comme ça. Voilà. Pareil, ça s'ouvre comme ceci. Et là, il n'y a pas de livret en fait. C'est dommage. Alors, il n'y a pas de livret dans les mini-pouces. Il n'y a pas de livret dans les entrechats. Mais il y a un livret dans les livres de la jungle. Voilà. Donc, les entrechats. Et voilà l'arrière. C'est qui voit les dessins animés. Les extraits. Voilà. Et pour terminer, j'ai acheté. Comme vous pouvez voir. Où est-ce que je vais bien pouvoir les mettre tout ça? Franchement, tout ça, plus tout ce qu'il y a dans l'armoire, tout ce qu'il y a là, tout. J'en ai partout. J'en ai partout, je ne sais même plus où je vais les mettre. J'ai réussi à trouver ce matin à la Fnac de Val d'Europe. Ça. Il y a 150 pochettes pour DVD. Et une deuxième boîte. Ce qui me fait 300 pochettes pour ranger mes DVD. 300 pochettes. Voilà. J'ai 300 pochettes pour ranger mes DVD. Mais je ne pense pas que tous les DVD que j'ai là, encore en boîte, vont rentrer là-dedans. Bon, je les ai payés 9,99€ les deux. Ça fait 20€ en tout. Il y en avait 3. Donc je pouvais pas en prendre 3 parce que ça allait me faire... 30€. Et en plus, ça m'aurait fait 450 pochettes. Donc voilà. Donc bah voilà. Hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je range mes DVD dans les pochettes. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mister John Cena. Sur ce, ciao tous.